beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Hey, coucou tout le monde, c'est Crime. J'espère que vous allez bien ce soir. Donc on se retrouve pour un tout nouveau challenge, donc vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. Ce sera donc un Génération Leader qui est aussi un challenge créé par NS. Décidément, j'aime beaucoup les challenges qu'elle fait. Donc je survole vite fait le chat parce que j'ai pas du tout suivi. Coucou Alexia, coucou Stéphie, coucou Corentin. Coucou Camille, coucou Nolise, merci Corentin, coucou Noé Simset, Calista, ouais elle est belle hein, elle est, voilà nickel, en plus elle a un beau prénom, ah bah Beauty quoi, Beautiful, c'est Beauty, voilà Beautiful, bonsoir, déjà 11 personnes, je pensais être le premier, oui 17 déjà, mon dieu j'ai pas encore commencé, vous êtes déjà tous là. Voilà, Nightbot, bah, je vais attendre un peu avant de sauvegarder. Coucou Alex, j'espère que j'ai oublié personne. Et coucou Jess. Voilà, coucou Lisa. Du coup, je vous explique vite fait si vous connaissez pas le challenge de NS. On part avec une Simset qui est pas franchement... comment je pourrais dire bon, ça n'a pas été facile pour elle, hein, voilà. C'est pas évident tous les jours, je vous le cache pas. Et le but, ça va être de faire 5 générations pour essayer d'amener à la 5e génération un semblant de normalité et de beauté. Donc j'ai pas le droit de créer des Sims pour les mettre dans le jeu, il faut que je me serve uniquement des PNJ. Alors oui, on va régler le problème tout de suite. Comme je ne dois me servir que des PNJ et que le but c'est quand même d'arriver à un résultat potable à la fin, oui, on va commencer par Don. C'est obligatoire. J'ai confiance en lui, je sais que je lui fais pas un cadeau pour le coup, le pauvre, mais j'ai besoin de ses gènes magiques pour commencer le challenge, de se donner une chance d'y arriver, quoi, tout simplement. Donc, prendre des PNJ, on est en durée de vie courte, donc ça devrait pas durer non plus 15 ans. Donc voilà, faire 5 générations, on peut pas créer de PNJ, il faut prendre ceux qui sont déjà là, essayer d'arriver à un résultat correct à la fin. Alors pour ceux qui ont dit qu'elle était pas si vilaine que ça, c'est parce que vous l'avez pas vu de profil. Parce que croyez-moi, de profil, elle fait pas rire. Oh, viens voir Beauty. Voilà, hein, de profil, c'est pas gagné quand même, hein. Voilà, donc 5 générations, j'ai droit qu'à 2 grossesses par génération. Ah oui, et puis donc je devais avoir une maison en ruine, hein, la voilà. C'est pas moi qui l'ai faite, je l'ai aussi prise chez NS. Voilà, c'est la base. Et le but c'est que je dois aussi améliorer la maison. Voilà, à mon avis j'arriverais mieux à améliorer les Sims que la maison, mais bon, ça fait partie direct du challenge, donc on va essayer. Voilà, comme j'ai marqué dans le titre, on va déjà commencer par se trouver l'amour, hein. Donc on va aller faire un petit tour à la salle de sport, choper Don, le ramener avec nous, et après on commencera à essayer de fermer les murs de la maison, enfin bref, d'améliorer la maison. Attendez, je relis, et genre elle me dit pas bonsoir, mais si, je t'ai dit bonsoir Alex. Bah en fait si YouTube se rend compte que j'ai de la musique dedans, donc en fait il me démonétise la vidéo, mais comme je ne suis pas monétisée, je m'en cogne. Voilà, ils peuvent me démonétiser autant qu'ils veulent, de toutes les façons, je touche pas d'argent sur mes vidéos YouTube, donc je m'en fiche. Tu as le chat en double sur l'écran? Ah ouais, c'est pas bête, pourquoi j'ai le chat en double sur l'écran? Ah parce que j'ai deux chats ouverts, voilà. Voilà, il n'y a plus de deux, c'est bon, il n'y a plus le double. Pour le coup, tu l'as bien raté. Ah bah, fait exprès, hein. Non, oui, bah Don, oui, je suis obligée, Don. Si, c'est une youtubeuse, tout à fait. Voilà, je peux changer un trait de terrain par saison, parce que pour l'instant, les traits de terrain, ils... voilà. Merci, Corentin. Du coup, tu es premier, félicitations à toi.
Les traits de terrain, voilà, dégoûtant, studio d'artistes et des bestioles grouillantes, tout ce que j'aime. Magnifique. Donc je pourrais changer un petit peu les traits après. Oui, je dois commencer à zéro Simflou, je ne l'ai pas encore mis à zéro, on va le faire tout de suite. Et puis, bah écoutez, on va se lancer, hein. On va aller chercher mon ami Don. Déjà, on va passer à zéro. Non, mais trompé. Testing chicks on. Money. Zéro. Voilà. Et coucou sur coucou Morgane sur YouTube et Baéo. J'espère que je le prononce bien. Oui, c'est le challenge de NS. Tout à fait. Bah écoutez, on va y aller. Let's go. Ah oui, alors je lui ai mis donc les traits méchantes, paresseuses et fois froides, j'étais obligée. Par contre, je lui ai mis comme aspiration âme sœur. Du coup, je me suis rendu compte que ça lui mettait un trait séduisante. Voilà, c'est après tout, pourquoi pas. Il n'y a pas de souci, Stéphie. Aucun problème. Du coup, ben, allez, let's go. Première chose, on va quand même faire d'abord une toile avant d'aller draguer du Lotario, là, parce que, comment vous dire, va quand même falloir fermer cette maison, là, parce qu'on est au printemps. Ah oui, il faut que je commence au printemps aussi. Mais après, une fois que je serai dans l'hiver, tout ça, ce serait bien d'avoir des murs et... Enfin bref. De fermer la maison. Alors... Ah ben je peux... Ah ben non, je peux... Je peux même pas faire de toile parce que j'ai pas de sous. Faut que j'aille casser des cailloux, non? Casser des cailloux, pêcher... Oui, voilà, c'est ça, je peux pas faire... Oh, ça va! Puis alors, j'ai pas choisi le meilleur terrain, je pense. Je crois qu'il y a des... Il y a une mare au canard par là-bas. Est-ce qu'il y a des choses à ramasser? Bon, on va aller à la salle de sport, comme ça on verra Don et puis on ramassera des choses en route. Parce que voilà. Donc voilà, donc Beautiful, elle est magnifique. Je suis désolée Don pour ce petit cadeau que je te fais, mais voilà, il n'y a que toi qui peux nous sauver de la catastrophe. Allez, on va aller directement à la salle de sport. Ramasse les fruits. Ouais, je vais ramasser les fruits. Je vais ramasser les fruits en revenant. Alors, on va aller à la salle de sport de Oasis Springs. Je pense qu'il y est peut-être plus qu'à l'autre. C'est que ça pile. Ah ouais, c'est... Elle est so sexy. Ah, j'ai choisi exactement ce terrain pour ce même... Ouais, j'aurais pas dû la mettre là-dessus. J'ai pas pensé au fait que j'aurais pas de thune. Je me suis dit tout de suite qu'on allait faire plein de toiles et tout, mais... Je te reconnais pas. Ah, mais alors, si vous changez de pseudo entre Twitch et YouTube, je vais pas arriver à me rappeler de tout le monde. Hein. Ah oui, je dois pas prendre l'argent de quelqu'un. Donc, quand Don viendra emménager à la maison, faudra me remettre les sous à zéro. Don? Petit Don. Bon, en attendant, on va aller voir est-ce qu'il y a des cailloux à casser, des choses comme ça. Des trucs à ramasser. Hop, on va les fouiller là-dedans. J'ai vu un truc qui brillait, c'était ça? Ok, fouillons. Hop, on va ramasser, creuser. Bah non, elle a dit dans les règles, Don n'apporte pas de sous. Ah bah ça va. Dans les règles, il est dit que la maison doit être fonctionnelle. Donc, puis c'est. Vu que c'est NS qui a créé la maison, je me dis qu'elle l'a créée comme il fallait quand même. Niveau règles. Vas-y, creuse. Non, c'est pas... Ça, on peut pas creuser. Ça, on peut pas ramasser le citronnier. Ça non plus. Ça, toujours pas. Hop. Là-bas, il n'y a rien. Donc, si vous voyez passer Don, hein, vous criez. Hein. Voilà. Avec tout ça, on devrait avoir de quoi faire une petite toile au moins.
Voilà, allez, creuse, ma fille, creuse. On va aller voir si Don est arrivé. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres choses à ramasser. A priori, non. Allez, on retourne à la salle de sport. Voir si. Bonsoir, Super Nanny. Ah oui, d'accord, effectivement, Mister. Ah, il est arrivé! Alors, présentation amicale. Ils te font un métier aussi. Bah, j'étais pas sûre qu'on pouvait travailler. Enfin, c'est pas dans les règles. Du coup. Du coup, j'étais pas sûre. Comme j'ai regardé que le premier épisode. Bah, j'ai pas eu le temps de regarder les autres épisodes d'NS cet après-midi. Du coup. Qu'est-ce que j'ai fait encore? On va déjà vendre ce qu'il y a dans les. D'accord, en tant que peintre. Bon, bah, je vais. Je viens de précommander la Switch. Si tu peux, après avoir fait ta première génération. D'accord, donc je peux pas travailler tant qu'elle a pas eu son bébé, c'est ça? Ok. Bon, bah, donne, hein. Ah, bah voilà, nickel. Rien qu'avec ça, on va pouvoir. On va la garder, la grenouille, si on. Non, on va se faire suffisamment de sous après. Allez, bon, la grenouille. Bah, j'ai pas dû aller jusque-là, alors je l'ai vu peindre des tableaux, mais. Et elle l'a fait avant. Et alors, dans les Sims, si ça en fout. Elle l'a fait avant ou après d'avoir ses enfants? Et ça va bien, Super Nanny, et toi? Elle te sauve pas, t'assomme pas, reste dans le coin, donne. Bon, t'y arrives ou il va se sauver au bout d'un moment? Allez, Beauty. Après. Donc c'est ça, il faut d'abord qu'elle fasse ses. Avant ou après? Alors si vous n'êtes pas d'accord déjà, on est mal. Allez, dépêche-toi. Bah avec les enfants. C'est Don qui va améliorer ça parce que Don, il est tellement fort. Voilà, on a 225 Simflouz. Elle est maigre. Bah oui, bah le but c'était qu'elle soit pas. Voilà. Elle est maigre, mais elle est très large de hanches. Le but c'était pas d'en faire un Sims harmonieux et. Voilà, c'était d'en faire un Sims un petit peu hors norme. Avant, je suis sûre et certaine. Bon, eh ben alors écoutez. Bon, pour l'instant, d'un autre côté, si Don vient à la maison et qu'il va travailler et qu'elle peint des tableaux, je suis même pas sûre d'avoir besoin de travailler parce que j'ai pas lu dans les règles qu'elle devait absolument avoir un travail et peindre, en fait, ça rapporte plus que de travailler, hein. En vrai. Allez, va voir Don. Elle peut passer entre les appareils de muscu, elle. Il est où? Oh bah merde. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, Don? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il est déjà en serviette. Il est prêt à l'attaque. Allez. Il est magnifique. C'est pas obligatoire. Bah, si c'est pas obligatoire, je crois qu'elle va pas travailler en fait. Parce que je crois qu'elle va y gagner plus d'argent. Allez, on va faire connaissance avec Don. Parce que c'est quand même ce qui se fait de mieux en PNJ. C'est quand même ce qui se fait. J'ai l'impression que le son du jeu est un peu fort, non? Il s'est mis en condition. Ah bah lui, il est prêt. Te sauve pas. Voilà, enfin, il a compris que ça allait chaud pour lui. Il se barre. Mais non, mon petit, reste là. Ramène donc tes tablettes de chocolat par ici. Non, on va pas laisser entendre que sa mère est un lama. C'est pas le but. Accolade gênante, non. Attends, il y avait conversation profonde. On va déjà parler avant de. Hein. Shilo Panive Baima.
Elle lui donne l'emploi peintre à 4 minutes 24, ok. Non, elle n'était pas assez laide pour un challenge, enfin pour un génération leader quand même. Elle n'était pas très jolie. Ah, je crois qu'il préfère Katrina Caliente, bizarrement. Comme je le comprends. Discuter des centres d'intérêt. Conversation profonde. Je me demande la tête. Salut Léa. Je me demande la tête du gamin. Bah écoute, j'espère qu'il prendra de son père surtout parce que je joue aux Sims depuis toujours. Depuis que c'est sorti. Je joue aux Sims depuis que j'ai 17 ans ou 18 ans dans ces eaux-là. Enfin, j'étais là quand les Sims 1 sont sortis et j'ai jamais arrêté. Une bombasse à mon effigie. J'ai déjà un avatar Sims. Oh la tronche, mais non. C'est juste qu'elle est belle à l'intérieur, c'est tout. Elle est belle à l'intérieur d'elle-même. C'est pas de sa faute, hein. C'est de la mienne d'un autre côté. Je l'ai pas aidée. Bon là, ils sont super amis. Je pense qu'on peut passer à l'attaque. Attention. Ah ouais, alors c'est vrai qu'elle est froide. C'est pas facile. C'est quoi là? Complimenter lourdement. Oh non, ça va pas passer ça. Ah si, ça passe. Oh, c'est Don d'un autre côté. On peut être un peu lourd. Il a l'habitude, lui. Non, reviens. Demander si la personne est célibataire. Non, il s'est barré où? Oh, il s'est barré, petit con, viens ici. Il est où? Il est là. Genre, t'as cru que t'allais te barrer comme ça. Oui, j'ai une chaîne YouTube. Hop, par là. Le meilleur des Sims, c'était les Sims 2. Ah ouais, check, je suis d'accord avec toi. C'était grave les Sims 2. Bon, et on continue à draguer Don. Je vous dis, il rentre à la maison avec nous ce soir, c'est obligé. Comment se la pète, elle, derrière, là? Ça va. Parce que t'as déjà fait, toi, un bébé avec Don, et crois-moi, il était vilain. Allez, éliminez la journée. Le laisse pas partir, ma fille, le laisse pas partir. Déjà que c'est pas facile pour toi, alors... Ne laisse pas partir ce pauvre Don. Alors, flirt futile. Ah, c'est sûr qu'elle est plus jolie, la Dina. Oh, mais il est d'accord, ma foi. Il est quand même pas bien difficile, ce Don. Hein. Il prend tout ce qui passe, lui. Hein. J'ai jamais joué avec le très froid. Oui, c'était la mère de Gino. Je crois que tu t'en souviens, Lisa. C'est pour ça, c'est pas la peine de te la péter. Il était quand même bien vilain. Je crois que c'était la mère de Gino, ouais. Non, enfin, je connais Pixia de... comme vous, quoi. Je la connais en tant que youtubeuse, mais je ne la connais pas personnellement et je ne lui ai jamais parlé. Donc, on va se tenter, là, parce que je vois qu'il est chaud. Plus de choix... on va flirter encore. Ah oui, je vais faire deux grossesses avec lui. Je pense qu'il faut au moins ça, ouais. Allez. Je pense qu'il faut au moins deux grossesses. Parce qu'à mon avis, Don, il va pas pouvoir sauver tout. Hein. Enfin, il va pas pouvoir tout faire, quoi. À moins d'avoir vraiment un gosse qui lui ressemble, mais trait pour trait. Je vois pas comment il peut sauver à lui tout seul... Je la trouve assez hautaine, oui, c'est sûr. Il pue la mort, hein. C'est... Il sent le fennec, mais c'est pas grave. On va l'enlacer un petit peu. Enlacer avec réticence. Ah, je vous dis, il est pas difficile. Hein.
Allez, magnifique. Premier baiser. Je suis désolée, Don. Vraiment, je... Pardon. Mais... Même elle, elle est surprise. Quoi, t'as dit oui? Ben, en tout cas, dans son challenge, NS commence avec les meubles et la maison, je l'ai pris telle quelle dans sa galerie. Bon, allez, on rentre à la maison et puis on va l'appeler. Comme ça, tout de suite, on va le faire emménager. Et tout de suite, on peut se lancer. Je sais pas où je suis à Windenburg, je crois. Oui, tu peux en choisir qu'un par contre d'héritier. C'est-à-dire que dès que j'ai choisi l'héritier, dès qu'il... Ah bah viens avec nous direct, ouais, t'as raison. Dès que j'ai choisi l'héritier, il faut que je vire tous les autres frères et... Enfin, frères ou sœurs. Re, j'ai PC qui a coupé, je sais pas pourquoi, il a peut-être chaud, ton PC. Ah ouais, donne là, c'est pas un cadeau que je lui fais, quoi. Elle est normale, sa couleur de peau, oui, c'est fait exprès. Elle est un peu grise, un petit peu, elle est malade. Je crois qu'il m'attendait. Oui, il m'attendait. Il m'attendait, mon petit Don. Alors, vu qu'on est super potes, est-ce que techniquement, amicalement, bien sûr, je peux t'inviter à ma maison? Plus de choix, demander de vivre ensemble. C'est beau. Après, il va aller bosser, je vais faire une peinture, on achète un lit double et on est parti. Voilà, magnifique! Voilà, quand je vous dis qu'il est pas difficile, ce pauvre Don. Non mais il quitte quand même trois bombasses, enfin deux bombasses et demie, hein, parce qu'elle, elle est pas très jolie. Mais il quitte deux bombasses et demie pour venir vivre avec Beauty quand même. Hein. Moi je trouve que ce Don fait un don de lui-même assez exceptionnel. Qu'est-ce qu'il est... C'est sa BA en fait. Et re-Alex. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le buisson. Je crois qu'il y en a un, le buisson. Elle l'avait mis, NS. Voilà, il est là. Oh bah oui, on n'a même pas besoin d'acheter un lit. Ah oh, mais ouais, non mais... Don est assez facile à séduire. Il faut le savoir. Il faut le savoir, Don, on peut toujours pas. Don est assez facile à... Voilà, il est assez facile à séduire quand même dans l'ensemble. Envoyer un baiser timide. Flirt futile. Et hop, un petit crac-crac dans les herbes. Allez. Et après, on va s'occuper de leurs besoins parce qu'à mon avis, je les ai un petit peu délaissés. Et tu peux l'embrasser. Embrasser froidement. Alors. Voilà, pas l'air si froide que ça, hein? Parce qu'embrasser froidement, j'ai déjà connu des baisers beaucoup plus froids que ça, hein? Donc, toujours pas. Et lui, il pue le fennec. Elle a envie de faire pipi. Bon, allez, je tente un dernier coup, sinon on va s'occuper de leurs besoins avant le... Alors. Toujours pas, il l'embrasse. Non, toujours pas. Bon, allez, toi, bah, va fertiliser, hein, tant pis. Et toi, à la douche. Non, c'est pas ça, ça c'est un frigo. Excusez-moi, je veux me doucher dans le frigo, moi. Vas-y, une douche embuée, comme ça, après. Après, il aura envie de faire crac-crac, mais comme elle aura fait pipi, et eh ben, voilà, ils iront faire pipi dans le crac... Enfin, crac-crac dans le pipi, c'est cool. C'est cool. Voilà. Qui va faire à manger? Est-ce qu'il a un travail cet homme? Bah, tu vas te lancer dans un. Ouais, lui va se lancer dans un métier et elle va aller faire une toile dès qu'elle aura fini de fertiliser. Elle est par là la toile. Allez, on fait une... Non, pas une grande. On a dit que c'était pas rentable au début les grandes et qu'il fallait commencer par des petites. Petite toile classique. Et Don, il fait quoi? Il se douche très bien.
Allez. De toute façon, vous savez, moi, j'aime pas les étages. Donc, dès qu'on va avoir un petit peu d'argent, on va squeezer le premier étage. Et on va se faire des pièces en bas. Bah, c'est pas vraiment une maison. C'est plus des ruines, si tu veux. C'est plus... Voilà, c'est plus trois murs et un pauvre toit, quoi, que autre chose. Oui, il sauvegarde. Non. Il se touche. Non, il se douche. Je sais que c'est toi qui as fait les sauvegarder, hein, Corentin, je sais pas... Pas grave. Je le ferai pas quand Nightbot me le demandera. C'est tout. Ah oui, du coup, j'ai pas autorisé ton message. J'y ai répondu, mais je l'ai pas autorisé. Qu'est-ce qu'on va faire comme métier? Allez, va dans le sport. De toute façon, t'es déjà pas mal en sport. Ce sera pas mal. Et tu bosses dans 2 jours. Très bien. Du coup, toi aussi, t'as envie d'aller aux toilettes. Fertiliser. Toi. Gourou des technologies, c'est un rapport. Bon, bah, trop tard. Je l'ai mis athlète. C'est pas grave. Servir le dîner. Hop, sandwich au fromage. Allez, hop, hop, hop. Faut un ordi. Ah, mais ça coûte cher, un ordinateur. Oh. Même dans les Sims, ça coûte cher. Bon, ils sont ouf. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Oh, bah, dis donc, c'est beau. C'est quand même magnifique. Vendre. Ouais, quand t'auras fait à manger. Après, tu retournes nous draguer Don, hein, qu'on perde pas de temps sur la conception. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? On sait pas. Il a faim. Bah, oui. Petit poney, bien sûr, petit poney. Puis alors, on n'a pas de lumière, très peu. C'est surtout quand il va commencer à faire froid, quoi. Ils vont se cailler sans les murs. Il va falloir se dépêcher à finir les murs. Tiens, bah, discuter. Plus de choix, amical, conversation. Ah oui, My Little Pony, ouais. Ma fille, regarde ça. Ah, moi, le pire, c'était l'autre fois. J'ai eu le malheur d'entrer dans sa chambre au moment où elle regardait les cités d'or. Voilà, donc forcément, j'ai eu la chanson dans la tête pendant toute la journée. Allez, mange-toi. Hop. Oui, ça va, comme c'est pas mal. Elle, là où elle va manger en haut, et lui va où? Il reste en bas. Donc après, toi, tu reviens. On va tenter de leur faire... comment dire? De faire monter leur relation amoureuse pour qu'ils aillent me faire un petit crac-crac... un petit crac-crac dans les fourrés. Et puis il va faire nuit, puis il n'y a pas de lumière, bien sûr. Alors, faut toujours que ça vienne d'elle, hein, je pense, parce que comme elle est froide, si c'est lui qui fait une approche, j'ai peur qu'elle lui mette un vent. Il va où? Il est parti faire du sport. Très bien. C'est quoi cette tenue pourrable, là, par contre? Ah non, il veut pas. Oh putain, il m'a mis un vent quand même. J'ai failli l'insulter, pour la peine. Et toi aussi, c'est quoi ce look? Plus de choix, amical, complimenté. Bah, j'ai voulu lui faire le prendre dans le vent, enfin lui prendre dans les bras et il a pas voulu. Il m'a mis un vent, quoi. Éliminer la journée. Bon. Peut-être falloir passer
Peut-être falloir passer à l'action, Don, là, parce que... Je sais qu'elle est pas jolie, mais de toute façon, tu vas lui faire deux gosses, hein. Au minimum, hein. Et merci, Estelle, pour l'hébergement. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Bon, on peut toujours pas aller... Et coucou, du coup. On peut toujours pas faire de bébé. Oh ! Ou alors on peut pas faire... Je sais pas. Embrasser. Non, mais il n'y a pas de souci, Estelle. Déjà, c'est gentil de m'héberger. Il la fuit quand même, hein. Il veut bien vivre avec, mais faut pas pousser, hein. Ah bah si, il veut bien l'embrasser. Putain, mais pourquoi tu veux l'embrasser? Tu veux pas lui faire de bébé? T'es pénible aussi. Amour. Ah, essayez de faire un bébé dans le buisson. Voilà. Je t'en supplie, Don, je compte sur toi. Mais-y tout ce que t'as. Mais fais-nous un beau bébé, je t'en supplie. Donne tout ce que t'as, quoi. Hein, vraiment, hein, je veux dire... donne tout, quoi. Parce que là, on part de loin, quand même. Hein. Des quadruplés. Non. Bah, limite, ça m'arrangerait qu'il me fasse des jumeaux, voire des triplés, quoi. Parce que vu que j'ai droit qu'à deux grossesses, plus il fait de bébés... Et merci, Morgane, pour l'hébergement. Plus il fait de bébés, plus... Bah, plus j'ai de chance d'avoir un truc potable, quoi. Allez, hop. Ça va, il est content d'y aller, hein. Bon, allez. Du coup, ils vont aller dormir. Demain, elle va se mettre à la peinture à fond. Enfin, si elle est enceinte, bien sûr, si c'est les pas enceinte. Hein. Alors, elle va aller faire pipi dans le buisson pour savoir si elle est enceinte. Et après, si elle est pas enceinte, elle retournera faire crac-crac dans le buisson. Ou elle viendra te faire pipi. Tu as vu qu'il y a le nouveau buisson pour le crac-crac? Non, j'ai pas vu. Enfin, je crois pas. Voilà. Allez. Ah, on peut pas faire un test de grossesse dans le buisson. Au courant, t'as. Merci. Ah, on peut pas faire de test de grossesse. Mais j'ai pas trop de sous pour acheter un WC quand même. Puis il faudrait fermer les murs avant d'acheter un WC, quoi. Bon, allez, on va aller les coucher. Ah oui, par contre, j'ai qu'un lit, une place. On va acheter un lit de place quand même. J'espère que j'aurai assez de sous. On va le vendre celui-là et acheter un lit de place. Ah, j'arrive pas à cliquer.